Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Un chef dans votre panier. J'espère que vous allez bien. Chef, toi, est-ce que ça va bien? Numéro un. Numéro un, moi aussi, ça va vraiment super bien ce matin. Je suis vraiment content d'être là. J'ai hâte surtout de me régaler de tes plats. Qu'est-ce que tu nous concoctes cette semaine? Alors cette semaine, je vais vous faire des cailles au porto, raisin muscat et pancetta. Chausson de lapin à la moutarde à l'ancienne. Puis une tarte au chocolat et ses petits fruits. Ouh, tarte au chocolat. J'ai hâte, chef, ça a l'air vraiment bon tout ça. Alors, juste le temps de se ramasser, on se revoit dans quelques instants. Alors, chef, on est maintenant prêt pour notre entrée. Oui. Alors, tu vois ici, j'ai de la pancetta. Pancetta. C'est correct. C'était juste une petite joke. celui-là, c'est du doux, pas trop salé. OK, parce qu'il y a différentes variétés. Oui, il y en a un petit peu fort aussi. Là, dans le fond, c'est au goût. Je vais garder, ici, on a les cailles. Je vais garder le goût subtil de la caille, tout ça. Ah. Un petit peu d'échalote française, du porto, des raisins, du muscat que j'ai mondé, c'est-à-dire, je les ai plongés une minute à deux minutes dans l'eau bouillante, puis je les ai pelés, coupés en demi, enlevé les pépins. OK. OK. On a la demi-glace, sel, poivre. Parfait? C'est parfait. Ce qu'on va faire en premier, on va se prendre trois tranches de notre décoration qu'on va faire revenir à la poêlonne. Et... Tu veux que je te fasse ça? Oui. Est-ce que je mets un petit peu de beurre? Non, je veux l'avoir à sec comme ça. Je vais faire un petit montage avec ça. Ah, OK. Ça va bien. Dans la pancetta, là, moi, j'ai quasiment le goût d'y goûter. Goûte-y. J'ai le goût d'y goûter. Goûte-y. Puis juste pour dire aux gens, ça goûte quoi exactement? Moi, pendant ce temps-là, regarde, sur la caille, je vais enlever les bouts de laine. Parce que pendant la cuisson, ça a tendance à brûler les bouts. OK? Ça a la texture du prosciutto. Ouais. C'est plus parfumé, moins salé. C'est très bon. Alors, tu as vu ici, j'ai coupé mes bouts d'aile. On a passé pour faire un fond. Excuse-moi. Alors, la caille, c'est un petit oiseau migrateur, mais maintenant, c'est de l'élevage. Hein? Il vole moins haut à cette heure, hein? Il vole bas. Alors, on va mettre sel et poivre. OK. Il faut faire attention pour la cuisson parce que ça a tendance à sécher. Fait qu'on, normalement, on conseille de faire braiser un petit peu. Ça, c'est parfait. On va réserver ça. C'est parfait comme ça? Oui, je vais me faire quelque chose avec ça. Je vais les enlever pour stopper la cuisson. On va les mettre ici à côté des autres. OK, parfait. Là, tu vas me mettre une noix de beurre et de l'huile. Tu vas me faire revenir les cailles. Normalement, un petit peu d'huile. Oui, et capricieuse. C'est là. Correct. Vu que c'est déjà chaud, là, on va les saisir. Normalement, c'est au four environ à 350, 20 à 25 minutes. Après les avoir saisis. Okay. Quand on va voir que la cuisson est parfaite, on va voir la chair ici qui va se relever. Tu sais, comme un poulet qu'on fait cuire, là, elle va se détacher. Ici, le pilon, la cuisse va se rétracter vers le haut. Ça va donner un indice de cuisson. C'est intéressant. Supposons, après notre temps de cuisson, admettons 10 minutes après notre temps de cuisson, oui. Que nos cailles ont cuit, on va juste dégraisser un peu. Je vais me trouver un petit contenant. Tiens, on va dégraisser. Dégraisser, c'est enlever le surplus gras. L'excédent de gras. OK. On va se mettre un petit peu d'échalote. On repart la cuisson? Oui. OK. On va déglacer au porto. Le porto, avant d'aller trop loin, chef, est-ce que... Bon, étant donné que c'est pour faire cuire, est-ce que c'est du porto? Bon. Un peu moins bonne qualité, ou c'est du porto, on peut y aller avec tous les prix. Oui. Mais normalement, là, quand on cuisine, c'est des porto, on ne paye pas 30-40 piastres la bouteille. Bien, pour la quantité que ça prend, là, ça peut être le porto qui traîne, dans le vaisselier, où on prend ça. Puis, tu vois, je mets mes raisins.
ma demi-glace. Normalement, on calcule en entrée une caille par personne. Mais moi, je suis gourmand, j'en mange deux. C'est petit, ces petites bêtes-là. Tu vois, on va le porter à l'ébullition. Normalement, on va le couvrir. On se met un petit papier d'aluminium. Puis on le termine au four, au four. Tu vois, j'en ai déjà un de prêt ici. On va lui mettre son petit papier d'aluminium. Oh, palais! Tu l'as tué avec tes mains, hein? La poignée est chaude un peu. Aïe, aïe! C'était chaud. Moi qui étais fier de toucher la viande avec mes doigts, là. Regarde, si on regarde, ah, là, ben oui. Tu vois, là, c'est dégagé, la chair s'est dégagée. Dans une assiette. Je vais retirer ma caille. On va faire réduire notre sauce, mais étant donné que ce n'est pas une poêlonne adéquate qui va aller sur notre feu, on va le transférer. Ah, moi, je ne retouche pas à poignée. Je trouve ça chaud. Ah, la force est avec toi. Fais ça vite. Tiens, mon homme. Je vais les séparer. Normalement, là, on va faire comme si ça serait pour une personne. Je vais prendre juste ce qu'il me faut. Ah, tu sais pas ça en quatre morceaux? Pour mon montage, oui. La première fois que je mange la caille, chef, j'ai hâte de... Ah oui? Oui. Tu vois? Est-ce que c'est dispendieux? Normalement, je pense que le coût de revient, c'est... Je crois, c'est 1$ la portion. Donc, c'est abordable. Oui, bien, pour les dîners... Non, c'est un peu plus cher que le poulet, on s'entend, mais ça devrait être assez abordable. Bien, tu manges deux cailles, c'est environ... mettons que ça coûte 2,50$, 3$. Ah, bien, c'est tu vois, très simplicité, abordable. On va rajouter un petit peu de sauce. Je vais napper un peu sur le dessus. Dans la haute société, ils vont se battre avec... On est prêt pour la dégustation? Je vais t'en couper un morceau dans la... Tiens, mon homme. Oh, merci, chef. Tiens. Tu vois, elle est quand même rosée légèrement. Oui. Tu vois, si tu as des cailles semi-désossées déjà, on n'a pas besoin de se casser la tête pour les désosser, tout ça, là. Ils sont déjà semi-désossés. C'est la seule chose qui reste à partir de la cuisse et des pilons. D'apparence, je pensais que ça allait être plus coriace. Non. Mais je trouve ça super tendre. Waouh! Si tu prends un petit peu de pacienta. Waouh! Alors, nous sommes prêts pour la prochaine étape? Oui, déjà. Hein, juste le temps peut-être de goûter aux petites cuisses. On va, on va aller voir si le lapin est dans son terrier. L'attraper, puis on va vous l'apprêter. D'accord.